Hey, salut tous les amis, c'est Dave Lafarge, j'espère que vous allez bien, je viens de m'écouter, c'est extrêmement ça super. Aujourd'hui mes amis, nous sommes à Berlin pour les championnats du monde de cartes Yu-Gi-Oh! On va se faire un unboxing très spécial. On va s'ouvrir The Display Yu-Gi-Oh! Qui s'appelle Rising Rampage, mes chers amis. C'est la première display qui contient une carte Yu-Gi-Oh! Prism. Qu'est-ce une carte Yu-Gi-Oh! Prism? C'est une nouvelle rareté de cartes Yu-Gi-Oh! Qui vient d'arriver dans cette display. Et on a une chance sur 25 displays d'en choper une. Donc une chance sur 600 boosters. On va tenter d'avoir cette carte avec Zulu. C'est parti. Du coup, vous l'avez bien remarqué, nous sommes avec le cher Zulu, le boss du Yu-Gi-Oh! En France, mes chers amis. Arrête. Et donc du coup, on va s'ouvrir le display. Oh, ça pique! Du coup, on va sur le display Rising Rampage où on peut avoir la carte prismatique. Il y a une chance sur 600 boosters, c'est bien ça, mon cher Zulu. Ouais, une chance, en fait, c'est une chance toutes les 25 boîtes. Toutes les 25 boîtes, donc tous les 600 boosters, effectivement. Et là, je suis en train de faire n'importe quoi. Et vous savez pourquoi je galère comme ça? C'est parce qu'il y a une prisme à l'intérieur. Et qu'elle peut pas sortir. C'est tout ce que je te souhaite, mon pote. Hein. Allez. Hop, donc il y en a 4. Il l'a défoncé. Il y a 4 cartes prismes, si je ne dis pas de bêtises. C'est bien ça. Ouais, alors là tu me prends de court. Ok, il y en a 4. Alors du coup, on va s'en ouvrir 12 chacun, mon cher Zulu. Allez. Et le but bien sûr, c'est de la voir. Et il y en a une qui est encore plus rare parmi les 4. Et c'est celle qu'on va avoir dans ce display. Donc n'hésitez pas à laisser un maximum de pouces bleus. Il y en a la petite chaîne de Zulu en description, les gars. N'hésitez pas à aller voir, c'est super cool. Oh, les best-of, les vidéos Yu-Gi-Oh, tout ça, quoi. Le boss. Du coup, c'est parti. Allez. Ah ouais, on ouvre une display anglaise par contre. Ouais. Alors ce qui nous intéresse, c'est juste les raretés, on est d'accord? Ouais, c'est juste les raretés en fait, on va pas s'arrêter sur les cartes. Okay. On va juste s'arrêter au alors, non, en fait il y a une rare à chaque fois et une super rare. Ah, il y a une super rare en fait? Non, c'est une rare à chaque fois et une autre rareté. Forcément il y a une autre rareté? Ouais. Ah, c'est top ça. T'as forcément au moins deux cartes rares dedans. Oh, ça vaut au moins genre 3 centimes. Ok, donc du coup vraiment on va s'arrêter que sur les raretés, on va pas vous donner le nom des cartes. Après si tu veux on n'est pas obligé de t'ouvrir. On n'est pas obligé de t'ouvrir parce que j'ai développé une petite application. Ah oui, j'ai développé une petite application, ça marche uniquement sur Android. Pour l'instant j'ai pas fait le portage sur Apple, mais bon, vous aurez un lien dans la description pour la télécharger avec le code David Lafarge, vous aurez 5% de réduction sur l'achat de cette application. En gros, plutôt qu'ouvrir tes displays, tu peux juste prendre un booster et voilà, le scanner. Et ça te donne la carte qu'il y a dedans. Bon là on voit c'est Link Back, c'est un peu nul. Je vais prendre celle-là par exemple. Donc là on regarde. Ouais non, ça c'est toujours nul en fait. C'est toujours très nul. Et celle-là. Oula, attends. Oula. Il y a peut-être une prisme à l'intérieur. Oh, et ben bah, voilà. Écoute, c'est quoi, on laisse là. Ok, on l'ouvre à la fin. On l'ouvre à la fin. On regarde en dernier, gros. Oh là là, sachant que les 4 vaut 500 euros unité, les prismes, les gars, ça fait super plaisir. On m'a dit 600 à l'oreillette. Ok, 600 euros à l'unité. Mais du coup, ce qui nous intéresse aussi, c'est surtout pour la collection, l'aspect financier ne nous intéresse pas, bien évidemment. Alors, du coup. Oh, j'ai la première ultra. J'ai la première ultra. Bah, moi j'ai la. Bah, voilà. Ikelos, The Dream Mirror Spirit. Avec une patate chaude. Le meilleur accent. Ouais, c'est. Eh, mais je m'améliore. Hein. Ah, franchement, à force de faire des événements internationaux. C'est vrai que t'es une star internationale maintenant. Non, à force de faire des événements internationaux. Il est connu mondialement. Grâce à Konami. On le voit dans tous les pays du monde. C'est vrai que. C'est vrai qu'il se passe des trucs. Allez, c'est parti. Troisième booster pour ma part. Dream Mirror of Joy. Écoutez, hein. Est-ce qu'on peut, hein? C'est stressant. Tour de la super rare ici. Attends, ça c'est quoi? Berserk. Ça c'est utilisé par contre. Ça va être joué parce que c'est une carte Link qui te permet avec deux monstres normaux de faire. C'est vrai, deux monstres normaux. Avec deux monstres normaux, de faire un monstre à 3000 d'attaque. C'est pas. Il y a moyen que ce soit utilisé. Et on peut l'invoquer comment celle-ci? Ah, c'est un monstre lien. Ah, ok. J'ai vu qu'il y avait pas d'étoile et tout. Ah non, en fait, il en faut 3. Ok, j'ai rien dit. C'est 2. Ah oui, non, mais j'ai rien dit. J'ai rien dit. 3, c'est trop. Oubliez ça, s'il vous plaît. Non, oubliez. Allez, stoppez la carte prisme. La carte prisme. Non. Oh, une pendule. Une belle pendule. Pendule, c'est double carte. Donc ça peut être magie, monstre, piège, monstre, etc.
Oh, open a pack. Yeah. One. One pack. Ouh, ça, donc il aime bien. Hein? Ah non, c'est une des deux secrets. Ouais. Alors ça, c'est une des deux secrets. Et ça va servir notamment en deck Majou et plein d'autres decks. Je crois que dans Thunder Dragon, ça peut jouer aussi. Donc il y a deux secrets par display, t'as une secrète. Et la prismatique est considérée comme une secrète. Gizmic. Ah merde. C'est vrai? Ah donc du coup on a une chance en moins d'avoir une prisme, mais au moins on a une belle secrète. Bah écoutez, pourquoi pas. De toute façon la prisme elle est là quoi. La prisme est là, la prisme est là dans tous les cas. Alors en fin de vidéo on aura deux youtubeurs italiens qui vont nous rejoindre, le célèbre Lucas. Et Daniel. Et Daniel. Toi et Lucas. Oh, c'était mystique ça. La prisme. La prisme. Prisme. Oh non. Is here. Oh, prisme. Allez Lucas. C'est qui? Il a 41 boosters. Ok. Allez Lucas. La prismatique. Yeah, there it is. Rare. No, I was like, I've heard it like. What's it like? Oh, it's nice! Very nice, Yuta. Yeah? Okay, I do my job. Congrats. Want me to open this? Why? Open it! Okay, I'm very lucky today. Let's very see. Good. He just opened Exodia part on the Dot7 Yu-Gi-Oh! Video. Je sais pas. No. Oh. But the packing which I found Exodia was my second pack, so maybe if you let me open another one. Il a fait un opening avec Doc et il a trouvé une carte. Another one. Ok, pendant ça, je joue. Vas-y, Doc. Another one. Vas-y, mon Doc. Oh, mon Zulu. Vas-y. Ultra rare. Yeah. Please. Ultra rare. Une Marine 16, c'est bien. En vrai, une Marine 16, c'est bien. Les dragons blancs. Hyper frustrant. Des prismatiques. T'as tout ouvert, toi? Non. Opening it. Tu sais que le col, il est toujours bon, hein, pour la prismatique ici. Si. S'il a la prisme. Non. Oh, oh Marine 16. This is worth $50. 50, c'est quoi ça? 50. $50. 30 euros, ouais, on est bien, on est prêt. C'est pas une secret, c'est l'ultra. Hein. Yes. Il y a encore une chose pour avoir la prise. I told you. Allez. Bon, sempre, secondo pacchetto. Viene primo, la volta del primo. Allez, Zulu. Allez, une super Simorg ici. Non, mais je sens qu'on va l'avoir cette carte. Mais elle est là. Allez, je te jure. Je sens qu'on va l'avoir. Je te jure, elle est là. Je sens qu'on va l'avoir. Vraiment, j'ai un bon pressentiment. Ok. C'est bien. Il reste combien? Là, il t'en reste 2. Il reste 4 packs. 5 avec. Ah non, il en reste 6. Il en reste 6. 6. Ah ouais. Allez, dépêchez-vous, les gars. Mais en fait, si on peut. Faut bien que ça fasse 10 minutes pour mettre double plus. Hein. Oh non! Mais. Espèce de boulet. C'est bien, ok, une super. C'est que des super. En fait, tant qu'on loupe que des super, c'est bon. Tant qu'on loupe que des super, c'est bon. Tant qu'on n'a pas de secrète, en fait, ça remplace pas la prisme. Allez, please, je te supplie. Okay. S'il te plaît. Allez. Mais non, on veut une super parce qu'on veut que ça soit à la fin. Attends, il reste 3 packs avec celui que j'ai dans la main. Il reste 3 packs. Non, là t'en as un. Ah, il y en a encore. Non, c'est bien ça. Oh. Non. Moi. Get out. C'est la première fois qu'on n'est pas content d'avoir une secret rare, clairement. En vrai, elle est bien, Get Out. Elle est bien? C'est vrai. Putain, j'avoue que c'est la première fois que les gens ouvrent des secrets déjà. Oh non. On n'est pas content d'en avoir une. Mais attends, mais mon scanning n'a pas marché. Peut-être que tu as défié les lois des probabilités psychologiques. Je vais regarder. Et non, du coup, là, c'est... Attends, là, j'avais prédit la Apollosa en prismatique. Hein. Non, mon appli doit pas encore marcher. Non. Et je comprends pas. Hein. Il reste un booster. Pourtant, Vas-y, Pierrot. Bah du coup là on peut plus avoir la prisme. Mais attends, moi je comprends pas parce que normalement c'est censé fonctionner hein.
ça ne... It works. Ça ne propose. C'est son... Ça m'énerve. Oh, ce qui serait cool, c'est que tu nous filmes une carte de prise, mais qu'on passe avec la carte de prise. C'est incroyable. Ça serait incroyable. Bon, du coup, est-ce qu'on va défier les lois des probabilités? Par contre, il est stylé celui-là. Eh, le Simorgue. Ah, mais c'est une vieille carte, ce Simorgue. J'ai vu quand j'étais petit en Bretagne. Last pack. Allez, Pierrot. Last one. Ouais, de toute façon, c'est prévu qu'il y a rien, non? Yes, la pire. Bon, du coup, mes chers amis, n'hésitez pas à laisser un maximum de pouces bleus, vous abonner à la chaîne YouTube, vous abonner à ma chaîne YouTube. À 10 000 pouces bleus, la partie 2 qui sera avec Doc7 qui va apparaître tout de suite. On va la tourner tout de suite. C'est parti.